nous t'apprendre gen yon nom et Makender Fizebe qui t'a yon proche pouvoir tête Kalea qui t'a yon nan moun qui impliqué dans crime nan et qui t'a non t'a cité gede secteur et gen plusieurs côtés ou fait connaître qui t'a yon nan chauffeur madame président qui t'a entré sorti tout dans ministère intérieur et pourquoi elle est là c'est commissaire et gouvernement à Port-au-Prince M. Du Carmel Gabriel qui confirmé il a été un ancien en chargé mission dans secrétariat palais national il est ville pic du Nes qui t'a impliqué dans crime ça qui fait sous bâtonnier Lord avocat Port-au-Prince M. Montferrier Dorval et dans pèlerin 5 selon commissaire gouvernement Port-au-Prince arrestation ça n'a cité c'est un pas important dans cadre enquête capenin sous assassinat bâtonnier Lord avocat Port-au-Prince M. Montferrier Dorval. Dans une conférence pour la presse jeudi, M. Gabriel fait connaître la police t'a cherché un certain Alex alias Black qui c'est bras droit et ville pic du Nestor et arrêté dans cadre enquête capenin sous crime non mais monsieur il t'a déjà assassiné en parlant de Black là. Dans cadre enquête ça sans que le pas cité nom commissaire fait connaître plusieurs monde la police derrière l'a cherché yo il dénoncer intervention qui était faite ou bien cap faite sous scène crime qui capable compliquer enquête non qui vient souiller c'est le nommé Alex alias Black qui c'est un bras armé ville pic du Nes qui t'a un tour dans auteur ou bien présumé auteur matériel assassinat de Dorval et bien nous apprendre que le nommé Alex alias Black a été exécuté le lendemain de l'assassinat de Maître Dorval, soit le 29 août 2020, vers les 8 heures du soir, du côté de Juvena, dans une boutique. Et c'est sûr et certain que, comme c'était une bras armée, ville pour Dunes, eh bien, n'attendait le niveau du CPJ et pour nous capables d'élucider les circonstances dans lesquelles Alex alias Black s'est tombé alors que nous dit que c'est à une hauteur, une présumée. Donc voilà, c'est commissaire AI, commissaire gouvernement Port-au-Prince, genre de crime ça yo, généralement, c'est des crimes qui portent signature et c'est pas la première fois nous sommes dans cage Dominique et presque même jour te gen cadavre moun yo te joine dans commune Delma. Qui t'a probablement moun qui t'a exécuté Jean-Dominique là. Donc ça fait qualifier genre de crime ça de crime d'état de pour tendez il a disparu pour faut que des moun qui pour pas parler. Et secrétaire général jeune barreau Port-au-Prince maître Eddy Paul Fleurant confirmé révélation qu'il t'a fait dimanche passé là pour faire qu'on ait téléphone maître Montferrier Dorval était localisé dans palais national et grâce à système GPS jour soir était assassiné là même. C'est ça, nous rencontrons avec la presse, et jeune Bao et Port-au-Prince, t'es fait jeune aujourd'hui dans le local RNDDH, M. Eddy Paul Fleurant, déclaré jour qui était samedi 29 d'août, là, t'es gagné un groupe avocat qui t'est continué, alors, dans la nuit, et parce que nous connaissons le crime, en fait, avant minuit, nous t'es toujours dans 28, donc, une fois passé minuit, ou entrer dans 29, je t'ai continué à envoyer message sur téléphone, M. Dorval, et on t'ai constaté que monde qui t'a li message, yo. Donc c'est ça les bornés, on dit que téléphone n'a borné dans zone palais national. Et c'est dans moment ça, il est arrivé localiser téléphone là. Et on l'a pas mettre Eddy Paul Fleurant répondre commissaire gouvernement à Port-au-Prince mettre Du Carmel Gabriel qui t'a demandé pour porter preuve concernant accusation gravement grave ça. Secrétaire général jeune Bao Port-au-Prince qui déjà en bas menace déclaré d'après la loi c'est chef paquet Port-au-Prince qui dit même a mené enquête qui pour chercher connait est-ce que téléphone là t'est localisé dans palais national jour soit crime non on coûté explication secrétaire général jeune Bao Port-au-Prince maître Eddy Paul Fleurant dans conférence pour la presse jeudi à côté Hervé Noël était présent pour Radio Kiskeya. Gen avocat te rete en communication avec téléphone M. Montferrier Dorval. Jou samedi sa, jusqu'à 11h30, y a voye message, bon moun kap li message la, moun nan pa fè réponse non, moun nan l'il. À 11h30, yo te rive localiser téléphone sa. Et localisation, d'après ça, yo te di,
c'était dans palais à 11h30. Sous réseaux sociaux, yo la bon message que yo te localisé à 11h55 et ça m'te dit. Donc, m'pa konnen et suite à toute question ça, moi entendi tout même gens sous réseaux sociaux dans les journaux et dans tout gagné moun yo arrêté c'est moun qui gen badge palais gen plus gen plusieurs ou moins deux arrestations c'est moun qui dans palais donc me penser peut-être moun qui t'a fait localisation ça yo pas trompé me penser que problème nan c'est là situé m'pa wè pour qui ça irrite tant que yon téléphone qu'on ça t'a trouvé alors que moun qui yo t'a censé à reprocher crime nan yo gen badge palais nan même d'après ça tout ça moins sur réseaux sociaux qui a circulé. M'pa di m'pa fon déclaration comme ça. Moi di moi relaté yon ensemble d'informations. Te bon paquet d'informations ou apwen nan vidéo qui circule, m di bon paquet d'informations sur réseaux sociaux et bon paquet bagay k'ap pale. Mais gen youn ki retenu attention, c'est localisation. Localisation retenu attention. Donc si localisation retenu attention, bon fixation qui vous fait sou li. M'a tout profiter di ça nan micro la presse. La charge pénale li pa incombé au dénonciateur. Dans le commissaire gouvernement et moi conseiller ennemi oui et me penser monsieur qu'on doit plus ou moins la charge pénale ne compte pas au dénonciateur li incombé au commissaire du gouvernement et article 10 ou 18 code de destruction criminelle là fait tout monde obligation dès pourtant dès on bagaille sous crime ne fait qu'on monde cap chuchoter lui pour rapporter la commissaire du gouvernement lui même pour la chercher pour voir est-ce que c'est vrai. Nous souhaitons nous poser commissaire du gouvernement en question parce qu'il y a des sur les réseaux sociaux, c'est le temps de chercher. Donc, commissaire du gouvernement pas capable de faire job li, et puis il dit, moi, il faut une preuve. Preuve, non, qui ça? Moi, je vais faire enquête dans le palais? Je vais faire un blog monter sous les pour me faire localisation? Non, c'est avocat. Je ne suis pas expert. Mais sauf que, je trouve que c'est très maladroit que le commissaire du gouvernement a fait ça et son petitesse en droit. Et ça me relève la petitesse en droit. Et commissaire gouvernement Redresso et montre à l'école. Donc le dénonciateur n'a pas la charge de la preuve. C'est au commissaire du gouvernement en matière pénale qui a la charge de la preuve. Maître Eddie Paul Fleurin, concernant enquête pour jeune qui est qui a assassiné Maître Montferrier Doval ensemble avec auteur intellectuel plus complice criminel, Maître Luxon H. Love Alphonse, qui est directeur général jeune barreau Port-au-Prince, dans une conférence pour la presse, mandé pour conseil l'ordre avocat Port-au-Prince, mandé concours enquêteur international pour travailler sous enquête sous assassinat et bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince, Maître Montferrier Doval. Maître Love Alphonse, rappelé démarche, c'est Yodwe produit et un groupe avocat est fait dans Baroua dans le cadre Assemblée générale à l'extraordinaire qui était faite après l'assassinat. Là, d'après lui-même, à cause la justice a traîné pied dans dossier ça, c'est une occasion pour proposer l'autre instance internationale enquêter sous crime là qui était fait jour qui était 28 d'août qui s'est passé là dans la commune Pétionville et dans l'idée pour être capable de joindre la vérité qui pour blahir sous qui est-ce qui voulait assassiner Maître Montferrier Doval. Et n'attendez toujours dans la même conférence pour la presse, déclaration du directeur général Jeanne Bao, avocat Port-au-Prince, Maître Luxon H. Love Alphonse. Et nous constatons que il y a une sorte de laxisme au niveau conseil là. Nous pas connaît qui ça qui fait que il y a toute laxisme ou bien tout si pied traîné ça au dans quatre dossiers ça parce que nous pas vraiment informé pour nous connaître tout ça qu'a fait pas bao assez et réseaux sociaux tout jour n'est qu'a blague ba qu'a dit nous arrêter tel ou arrêter ceci là c'est le jeune téléphone le jeune sim mais bao de Port-au-Prince pas qu'on j'aime organiser une assemblée encore ou bien pas qu'on j'aime écrire nous de manière officielle pour dire mais donner gagner mais qui ça mais comment enquête la marché pendant ce temps Maître Doval pas de bâtonnier pour la France. Maître Doval pas de bâtonnier pour Martinique ni Guadeloupe ni Canada ni Caroline du Nord ni l'autre pays en Afrique qui a demandé justice pour bâtonnier chaque jour. Nous-mêmes nous font une marche ici et puis nous camper sur lui nous poser. Pas qu'on ait ça qui passé. Mais Jeanne Bao lui-même il pas entendre rester là. Nous voulons continuer, nous voulons battre à continuer. Et c'est ça tout qui fait que nous accompagnons étudiants faculté de droit. Chaque jour qui prend la rue, qui prend gaz, nous demandé conseil de l'ordre. Là. Parce que pas nous, on reposait sous demande d'intervention par nous. Dans l'Assemblée générale extraordinaire qui était faite là, nous avons proposé pour que nous ayons une enquête
international avec des enquêteurs internationaux pour venir faire dans quatre dossiers ça parce que nous estimons que en dépit de avancer que dossier pas avancé dans niveau DCPJ parce que nous connaissons que gagne arrestation faite bon bon nom peut-être gagne nous pas veut citer jusqu'à présent nous pas pour que ça pas citer il y a travail mais si yo même yo capable gagne nous pas citer mais gagne monde qui citer non yo parce que gagne des enquêteurs indépendants qui viennent à Abdoubaï là Jean Lier si monsieur c'est blanc Abdou monsieur c'est blanc de son noir, monsieur son assassin, son assassin. Il n'y a pas pour le cacher pour personne. Et bien, dans ce sens, on a demandé au conseil de l'ordre que nous avons voté pour défendre l'intérêt, nous, l'intérêt de tout avocat. Pendant que l'autre barreau, dans tout l'autre département, ou bien dans toute l'autre juridiction, continue à mobiliser, on a demandé au barreau de Port-au-Prince, conseil de l'ordre barreau de Port-au-Prince, pour activer question, question, demande, enquête internationale, ça. Avec des enquêteurs internationaux pour que...